Ouais, j'ai toujours rêvé de voler, avoir des ailes et pouvoir parcourir le ciel comme ça. C'est le plus vieux rêve de l'homme, hein Mais bon, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. C'est possible juste dans les jeux. C'est possible dans Zelda avec la paravoile. Et c'est possible dans Immortal Phoenix Rising aussi. Avec des vraies ailes. Des ailes qui permettent de planer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler du jeu. Voilà, j'ai pu faire une autre preview, j'ai pu jouer un petit peu plus. Au titre d'Ubisoft, j'ai pu jouer 4 heures en tout et j'ai découvert plein de trucs que je n'avais pas vu lors de ma première vidéo. J'ai plein de choses à vous raconter. On va s'envoler ensemble, les amis, et survoler la mythologie grecque ou pas. Ça va être cool en tout cas. Installez-vous bien, les amis, c'est parti. Alors ce que j'ai apprécié dans cette nouvelle preview d'Immortal Phoenix Rising, c'est que j'ai commencé à jouer au début de l'aventure. Et ça je trouve que c'est appréciable parce que ça te permet de mieux comprendre le jeu, l'univers, les tenants et aboutissants. Et on sait qu'il y aura vraiment un scénario. C'est un jeu écrit avec de nombreux personnages, énormément de dialogues. D'ailleurs beaucoup de dialogues entre Zeus et Prométhée, qui vont ainsi briser régulièrement le quatrième mur tout au long de l'aventure. C'est donc cool de pouvoir voir le début, justement, ce prologue. Avec une intro où on va découvrir notre personnage qui va se retrouver séparé de son armée après une tempête et de son frère aussi et notamment et il va se rendre compte très très vite en se réveillant et eh bien que tout le monde a été changé en pierre les dieux aussi d'ailleurs à cause de Typhon. Typhon c'est le grand méchant du jeu. Parallèlement à ça Prométhée est enchaîné au Mont Caucase et Zeus va le voir c'est ainsi qu'ils vont discuter tout au long du jeu et ils vont en effet faire un pari sur le destin du monde misant ainsi sur Phénix. Donc ça commence comme ça. D'ailleurs, petit mot au sujet de la prestation de Lionel Assier, qui est très convaincante, de mon point de vue, avec ce qu'il faut de légèreté, de surjouer, pour donner du corps au dialogue, bourré d'humour. Concrètement, je l'avais dit, hein, déjà, lors de ma première preview, c'est un des points forts, très cool du jeu. On rit souvent, et j'ai même eu droit à un faux générique, avec Zeus décrit comme un expert en fake news. Enfin, bref, toujours est-il qu'on est dans un jeu où il y a vraiment énormément d'humour, et ça, ça change un petit peu, justement, de Zelda, auquel il est comparé euh, régulièrement. Donc, on se retrouve au début du jeu, donc forcément, j'ai pu créer mon personnage, on va pouvoir vraiment personnaliser à fond. Et comme j'ai joué avec une femme dans ma première preview, j'ai donc concocté ici un homme entre Kratos et Gérald de Ribe, histoire de varier les plaisirs. Mais on peut vraiment tout faire sexe, visage, yeux, cheveux, la barbe, tatouage, la voix évidemment. Donc ça fera plaisir à tous ceux qui aiment ce genre de petits détails. Côté gameplay, je vous ai déjà livré toutes les infos dans la première preview, donc je vais vous renvoyer vers elle, je ne vais pas revenir dessus en profondeur, mais concrètement c'est très agréable à prendre en main. On a un système de lock classique, au niveau du combat de mêlée, on va pouvoir esquiver, faire des parades justement avec les deux gâchettes, ce qui permet de contrer et déstabiliser certains ennemis pour leur asséner un bon coup. Vous avez vu le combat à l'épée au marteau mais aussi à la hache mais on va aussi pouvoir vous le savez certainement utiliser divers pouvoirs des dieux qu'on va récolter ici côté ressources on va également récupérer pas mal de choses de l'ambroisie par exemple qui va permettre d'accroître sa santé qui est assez rare justement dans le monde parce que bah, forcément elle a énormément de valeur on va ramasser de la grenade pour reprendre de la vie de la figue pour la force et tout cela va permettre et eh bien de soit les consommer directement soit de préparer des potions plus efficaces des potions qu'on va pouvoir améliorer D'ailleurs, depuis les chaudrons de Circé, disséminés un petit peu partout dans le monde. Encore une fois, je vous raconte tout ça en détail dans ma première preview, mais c'est l'occasion de dire une fois de plus que c'est assez. Complet. Ici, néanmoins, contrairement à la dernière fois, j'ai donc commencé totalement à poil, comme on dit. Donc j'avais pas mes ailes, puisque vous savez qu'on va avoir des ailes qui vont nous permettre de planer et de faire le double saut. Mais je n'avais pas d'armes également. On se réveille vraiment sur la grève, perdu après la tempête, on est tout seul. Donc on va collecter tout de suite en premier une épée, l'épée de son frère. Son frère qu'on va découvrir, eh bien, brisé en pierre par terre. Alors j'irais pas dire que c'est une scène touchante, hein, euh, entre parenthèses, mais c'est assez mignon. Et le personnage qu'on va incarner est plutôt attachant. Avec avec les dialogues etc et c'est pas un personnage qui a été fait pour être un héros en fait puisque c'est plutôt un genre de porteur d'armes dans le scénario et c'est pour ça qu'il admire son frère qui lui était un vrai guerrier donc je trouve ça assez sympa parce qu'on va en faire un héros en fait au fur et à mesure et du coup ça le rend assez sympathique bref toujours est-il qu'on va récupérer l'épée nos ailes assez rapidement mais il faudra les améliorer pour pouvoir voler et faire le double saut l'âge d'Atalante aussi les brassards d'Héraclès qui vont donner cette possibilité de placer des objets très lourds, en mode télékinésie, vous savez, un peu à la Zelda, justement, et l'arc d'Ulysse, qui va permettre d'utiliser les flèches d'Apollon, des flèches qu'on va pouvoir diriger pour atteindre des cibles inaccessibles. On va avoir de nombreux pouvoirs des dieux, encore une fois, je vous invite à aller voir ma première vidéo, ou à découvrir ça par vous-même, parce que très franchement, le jeu est très généreux de ce point de vue-là. Alors évidemment, la progression va se faire au fur et à mesure, et notamment au gré des nombreux sanctuaires qu'on va découvrir. Ces derniers, baptisés Failles des Tartares, les Enfers de la mythologie grecque propose des puzzles ou des combats c'est exactement le principe des sanctuaires de Breath of the Wild à titre d'exemple hein. et euh, il permet de récupérer des butins notamment des éclairs qui représentent la foudre de Zeus qui va permettre d'augmenter votre énergie et également des coffres à chaque fois vous allez avoir un coffre dans chaque sanctuaire là je vais pas revenir dessus non plus mais ce sont des lieux que j'ai vraiment adoré il y en a de nombreux disséminés dans le monde et j'ai franchement hâte de pouvoir me perdre un petit peu justement dans l'univers en vérité c'est ce que j'ai préféré les euh, sanctuaires mais comme j'avais déjà joué au jeu, j'ai un peu plus pris le temps justement de découvrir, de me balader à l'extérieur et de découvrir les nouvelles zones, puisque chaque zone du jeu correspondra à un dieu. Dans la première vidéo, j'avais découvert les forges. Là, c'était un petit peu plus sauvage, honnêtement, plus coloré, vraiment très très joli. Il y a des paysages absolument somptueux. D'ailleurs, notez que chaque statue des dieux que vous allez escalader va ouvrir la carte de la région, un peu à la manière des tours dans Assassin. Évidemment, on perd pas les bonnes habitudes. Toujours est-il que depuis ces sommets, vous allez pouvoir localiser pas mal de points d'intérêt grâce à votre vision lointaine. Celle-ci va vous permettre, eh bien, comme son nom l'indique, de voir plus loin et de pouvoir marquer les lieux, bah, toujours un peu à la Zelda, hein, encore et toujours. Et cela va permettre de révéler notamment les failles des Tartares qu'on évoquait un petit peu plus tôt. Au gré de mon aventure, j'ai également pu rencontrer d'autres personnages, notamment L'oracle que je n'avais pas vu dans la preview précédente. Et lui aussi, il va apporter beaucoup d'humour, il parle beaucoup hein, puisqu'il va vous raconter des prophéties et même si elles sont toujours racontées un peu par énigmes, c'est assez agréable parce que, encore une fois, on peut dire que contrairement justement à Zelda auquel je le compare énormément, c'est très écrit, on a plein de personnages et ça, je trouve une fois de plus que c'est appréciable. Jolie découverte également des défis que je n'avais pas vu auparavant, divers et variés, comme par exemple les morceaux de Nike, ce sont des petits oiseaux qu'on va libérer dans le monde il faut tous les délivrer, ou encore les défis de lire, où on va récolter des mélodies et si on arrive à les jouer sur la grande lyre de la région, et eh bien on pourra débloquer des ressources précieuses. Ces ressources sont des pierres de Caron qui vont vous permettre d'améliorer votre héros dans la Halle des Dieux. D'ailleurs, ces pièces de Caron, on va les récolter en résolvant tous les types de puzzles qu'on va rencontrer, les fresques, les constellations. Une fois de plus, go voir ma première vidéo. Alors donc cette Halle des Dieux, je j'avais pas pu la voir auparavant, on va dire que c'est une sorte de hub d'amélioration. On peut effectivement améliorer Phénix sur différents aspects. Les pouvoirs divins, les capacités qu'on peut améliorer plusieurs fois, les armes depuis la force d'Ephaïstos, on peut modifier son personnage, on peut également y trouver un chaudron de Circé et le Kylix d'Athéna, où on va pouvoir utiliser justement l'Ambroisie pour améliorer sa jauge de vie. On trouve aussi le banc de Zeus pour s'entraîner et augmenter son énergie, donc sa jauge de stamina en dépensant la foudre de Zeus qu'on trouve dans les sanctuaires. C'est aussi un lieu qui va me permettre d'accéder aux missions d'Hermès, ce sont des quêtes annexes en fait, hein, baptisées des tâches épique. Qui vont débloquer elles aussi des récompenses uniques comme les pièces de caron, les ressources, les armes, etc. Autre fait notable dans cette preview, au lieu de choper un cheval pour me déplacer, j'ai pu apprivoiser un cerf puisque au-delà des chevaux, on aura également les cerfs et je trouve que c'est vraiment très très cool parce que on a le choix, on peut s'en servir comme monture. Là aussi, on peut comparer un peu à Zelda dans le sens où on va devoir s'approcher tout doucement pour les choper et pouvoir les monter. Mais j'ai trouvé ça cool de faire d'autres activités, de faire un petit peu autrement que la première fois. J'ai également rencontré Typhon après avoir volé une mystérieuse jarre dans un sanctuaire pour récupérer mes vraies ailes, puisque je vous l'ai dit, c'était la première version des ailes, je n'avais pas encore le double saut, et la possibilité de voler, et bien là, euh, Typhon m'est apparu. Je l'ai trouvé assez impressionnant, j'ai pu le repousser d'ailleurs pour un temps, mais pas le vaincre évidemment, hein. mais c'est une scène assez cool. En fait, le jeu est très cinématographique, et c'est une chose que je voulais vraiment vous dire par rapport à ma première preview, au-delà des ressemblances avec le dernier Zelda, mais le jeu s'éloigne en fait assez vite de Breath of the Wild parce qu'il a sa propre identité, et il apporte une autre ambiance, sans parler des personnages des dialogues, etc. Donc il a vraiment quelque chose. Moi j'ai beaucoup apprécié cette seconde preview, j'avais beaucoup aimé la, la première, mais je trouvais que ça n'inventait pas grand-chose. Là, c'est toujours pas une révolution, et à la fois j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à visiter les nombreuses régions, à escalader les statues, à faire d'autres sanctuaires, et à débuter l'histoire pour mieux comprendre justement les tenants et aboutissants. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cet Immortal Phoenix Rising, les amis. Vous le savez, il arrivera le 3 décembre 2021. 2020 sur PC PS4 et Xbox One. Très clairement, c'est une de mes attentes. Le jeu a l'air en plus extrêmement généreux. Donc, pour l'instant, c'est plutôt positif. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. En tout cas, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, évidemment, hein, à partager comme d'habitude. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao